Yeah! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais enfin vous montrer comment créer une clé USB de réemploi pour le reconditionnement d'ordinateur. Alors, juste petite parenthèse, si vous ne le savez pas comme ça, eh bien, vous le saurez. Donc, Emmabuntu, Debian Facile et BlaBlaLinux se sont associés ensemble pour lancé, donc on y est en septembre, hein, donc on y est, une campagne de réemploi, j'allais dire nationale, mais ça va au-delà puisque Emmabuntu est bien facile, on parle de la France, BlaBlaLinux, on parle de la Belgique, donc on s'est tous associés ensemble pour lancer une campagne de réemploi d'ordinateurs. Pour pouvoir lancer une campagne de réemploi d'ordinateur, eh bien, il nous faut une technique. La technique, elle existe, on l'a. C'est la technique d'Emmabuntu. Cette technique a jusque maintenant été gardée, on peut pas dire jalousement secrète, mais voilà, c'est une technique qui est utilisée par Emmabuntu, qui a déjà fait ses preuves. Et Emmabuntu a dit, ok, puisque je m'associe à Debian Facile, puisque je m'associe à BlaBlaLinux, eh bien moi, pour fêter un peu cette association, hein, eh bien, je mets sur la table ma technique de création de clés USB de réemploi pour pouvoir reconditionner des ordinateurs. Allez, c'est parti pour la création de notre clé USB de réemploi pour le reconditionnement d'ordinateurs. Alors là, ceux qui me connaissent disent, tiens, c'est bizarre, il parle pas beaucoup aujourd'hui, il y va. Oui, j'ai vraiment envie de réserver cette vidéo à la création de la clé USB. Néanmoins, regardez en description de la vidéo, vous trouverez sûrement des explications complémentaires, supplémentaires. Et par contre, ce dont je suis sûr, c'est que vous allez trouver des liens qui vont vous renvoyer notamment vers le site Emmabuntu, vers le site Debian Facile, vers le site BlaBlaLinux, vers des articles qui sont déjà parus et qui parlent de notre campagne de réemploi. Vous trouverez également les liens qui vont vous renvoyer vers les premières vidéos existantes. Ben oui, les fameuses vidéos-là qui ont un peu impressionné certaines personnes, dans lesquelles je montre la vitesse de reconditionnement d'une machine. 2 minutes 40 avec un clone Emmabuntu. 1 minute 20 avec un clone Debian Facile. La différence de temps, c'est juste que voilà, le clone Debian Facile est plus léger et moins conséquent en poids. Ok? Donc on y va pour la création de notre clé. Sachez que il existe de la documentation. Ben oui, déjà cette vidéo, c'est de la documentation. Mais il existe également une documentation écrite que voici. Ok? Regardez en description de la vidéo, tout ce que j'utilise, voilà, sera mentionné. Ok? Je ne vais pas me baser dessus puisque je connais. Sachez néanmoins qu'il va nous falloir deux logiciels. C'est la première chose. Premier logiciel, multisystème. Deuxième logiciel, Jenny. Multisystème. Eh bien, lui va nous permettre de déposer une image ISO. Quelle image ISO? L'image ISO de clone. Zilla. Multisystème va également nous permettre d'apporter des modifications au grep et logiciel pour apporter des modifications au grep, pour éditer le fichier de configuration du grep, eh bien fait appel justement au deuxième logiciel qui est Jenny, l'éditeur de texte. Dans la documentation, on vous montre comment on vous donne les lignes de commande à utiliser pour installer multisystème, donc sur un système Debian. Ah ben oui, Emmabuntu tire sa base de Debian. Debian facile, ben c'est une Debian. Okay? Donc vous pourrez suivre ce qu'il y a dans la documentation. Pour ma part, je vais utiliser une Linux Mint. Qui dit Linux Mint dit Ubuntu. Je vais vous le montrer dans une machine virtuelle, tout simplement parce que moi, j'ai déjà sur mon système hôte multisystème d'installer et Jenny d'installer. Ok? Donc, ce qu'on va faire, machine virtuelle, je me connecte. Voilà, vu que je ne peux pas utiliser ce lien-là, je clique sur le lien site de multisystème. Voilà, je descends, installation, voilà. Sous Debian, non, sous Ubuntu, oui, ça c'est pour moi. Donc, ce que je vais faire, ok, c'est bon.
Voilà, instance terminale. On agrandit, affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, et on va jouer du copier-coller. Alors, j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'il fallait deux logiciels, Multisystem Genie. Il vous en faudra peut-être un troisième, qui est Gparted. Alors, petite précision, si vous utilisez une GNU Linux et Ubuntu, Multisystem et Genie sont déjà installés. Ok ? Gparted va nous permettre, quant à lui, bien de créer notre clé USB. Vous pourriez utiliser un autre utilitaire que Gparted, notamment l'utilitaire de disque GNOME, okay, qui lui est par exemple installé sur pas mal de systèmes. Sur Linux Mint, par exemple, si je tape disque, voilà, on peut voir l'utilitaire de disque GNOME. Okay. Par contre, je ne sais pas si. Gparted n'est pas installé. Donc, on y va. On va jouer du copier-coller. Donc, sous Ubuntu, il faut que j'active le dépôt univers. Je copie. Donc, si je copie, je colle. Voilà. Mot de passe du Seigneur qui va bien. On continue. Ajouter le dépôt multi-système. Je copie, donc si je copie, eh bien je colle. On continue. Ajouter la clé publique. Ok, je copie. Eh bien si je copie, eh bien je colle de l'autre côté. Voilà. On continue. Recharger les sources. Bon, vous connaissez la musique, hein. Je copie. Et je colle. Voilà. Et là, la dernière ligne, on installe multi système et regardez, on va ajouter Genie et on va ajouter Gparted comme ça. Voilà, oh, je confirme, je valide par AutoEnter et c'est parti. On patiente, donc installation de multi système, installation de Genie, installation de Gparted. Voilà, c'est fait. La preuve, je vais chercher multisystème, c'est le plus important. Il se lance, il sera en anglais, ce n'est pas grave. On change, on le passe en français, il redémarre, il est en français. Yeah. Nous avons Genie. Que voici. Voilà, éditeur de texte. Avancer. Et alors le troisième, nous avons dit Gparted qui lui demande d'élever les droits. Voilà. Qui lui demande d'élever les droits. Voilà. Et c'est bon. Donc, plus besoin de la machine virtuelle. On ferme. Et on passe sur le système hôte. Donc, il va falloir créer notre clé USB. Alors, attention, regardez, j'ai un petit pot là avec tout plein de clés USB, mais j'ai déjà la clé USB choisie en main. Alors, il est impératif d'utiliser une clé USB de bonne qualité. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir de l'écriture intensive sur la clé lorsque l'on va la créer, mais ensuite, il y aura aussi de la lecture intensive lorsque l'on va l'utiliser. Lorsque l'on va utiliser la clé pour reconditionner une machine. Donc voilà, il faut une clé USB de bonne qualité, sinon ben, vous pourriez avoir des erreurs, tout simplement, des erreurs d'écriture. Ok ? Donc vous pourriez avoir des erreurs d'écriture, donc des erreurs d'écriture, donc lors de la création de la clé, ou alors la création va bien se passer, mais lorsque vous voudrez l'utiliser pour le reconditionnement d'une machine, ben, c'est là que vous aurez des erreurs. Donc, une clé USB de bonne qualité et de minimum 16 gigas. Pas 4, pas 8, 16 gigas minimum. Si vous avez une clé USB de 16 gigas minimum, vous pourrez déjà y placer, on va dire, un clone. On a décidé 16 gigas minimum, voilà, ça permet d'utiliser un clone, ok, parfois plus, quoique je réfléchis, oui, vous allez comprendre pourquoi.
sur notre clé USB de 16 Go minimum de bonne qualité, nous allons créer deux partitions. Une première partition FAT32 de 4500 mégas et une deuxième partition avec le restant de l'espace disponible. Donc si je pars d'une clé USB de 16, on va dire ça fait 14 et quelques effectifs, moins 4500 pour la partition FAT32, il me restera 10 et demi, allez, 10, 10 et demi pour la partition XT4. Quand on pense qu'un clone Emabuntu avec les données de free culture, donc de culture libre, eh bien pèse 8-9 gigas, voilà pourquoi on dit qu'il faut une clé USB de 16 gigas minimum. Maintenant, c'est pas totalement vrai quand je dis une clé USB de 16 gigas pour un clone. Par exemple, si on prend maintenant un clone de GNU Linux Emabuntu sans les données de culture libre, de free culture, eh bien il pèse 4 gigas et demi. Ah, on peut mettre deux clones. Si on prend par exemple un clone Debian facile, il pèse encore moins. On pourra peut-être mettre trois clones. Mais voilà, vous avez compris? Plus vous aurez une clé importante, plus vous pourrez mettre deux clones. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, voilà, j'ai choisi ma clé. Une clé intégrale USB 3 de 32 gigas. L'USB 3, ouais, je m'en fous un peu parce que de toute façon, ici, je vais la brancher ici et je suis en USB 2. Yeah, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On va faire ça comme ça. Voilà. Bon, on y va. On y va. Alors, donc, je fais appel à Gparted. Donc là, on prépare notre clé. Ok, ne vous trompez pas, sélectionnez bien votre clé. Clé 32 Go, 2953 effectifs. Voilà. Première chose à faire, s'il y a des partitions, vous pouvez faire clic droit supprimer. Si elles sont démontées, le plus simple, vous faites périphérique, créer une table de partition. MS-DOS, c'est bon. On applique. Voilà, on repart de zéro. Clic droit, nouvelle. On a dit première partition FAT32 de 4500 mégas. L'étiquette, c'est le nom que l'on va donner à cette partition. Là, vous mettez ce que vous voulez. Pour la partition FAT32, on va voir par la suite que pour la partition X4, il faut respecter un nom exact. Ici, je vais l'appeler Multisystem. Ajouter. Et donc la place non allouée, c'est le restant de ce qui est disponible sur cette clé. Clic droit, nouvelle, XT4, c'est bon. Et là, vous devez impérativement y mentionner image, comme je viens de le mentionner, en majuscule, sinon le script ne fonctionnera pas. Ok, donc j'ajoute. Voilà, appliquer et là notre clé USB, regardez, ça travaille, elle va être prête. Voilà, on ferme, on n'a plus besoin de Gparted. Alors, ma clé, voilà, regardez, image multisystème, vous voyez? Mais les deux partitions ne sont pas montées. Ce qui veut dire que si maintenant je vais chercher multisystème, qu'est-ce qu'on voit? D'accord, vous avez branché votre USB, point d'interrogation. Veuillez connecter un volume USB formaté en FAT32 et le monter dans slash media. Il le fera pour vous. Il faut juste monter la partition FAT32. La partition FAT32, c'est laquelle? Multisystème. Regardez bien, on va faire comme ceci. Multisystème. Je rafraîchis. Voilà ma partition FAT32. Je sélectionne. Valider.
Veuillez confirmer l'installation de grub 2 dans le volume slash dev slash sdh1. Validé. Regardez, on peut voir ce qui se passe sur la partition FAT32. Seconde étape, il va nous falloir une image ISO de CloneZilla. Il existe une image de CloneZilla architecture 32, une image de CloneZilla architecture 64. Laquelle choisir? C'est très simple. Dans la doc, c'est mentionné. Si c'est un ordinateur d'après 2003, vous êtes en 64 bits, utilisez l'image de CloneZilla architecture 64 bits. OK? Donc je parle pour la création de la clé USB. OK? Maintenant, si vous utilisez pour la création de votre clé USB un ordinateur vraiment purement 32 bits, hein, donc d'avant 2003, eh bien, il faudra utiliser l'image CloneZilla architecture 32. Mais dites-vous qu'il y a 95% de chance, même au-delà, que vous utilisiez un ordinateur d'après 2003, donc vous pouvez utiliser l'image de CloneZilla architecture 64 bits. OK? Moi, je dispose déjà de tout ce qu'il faut, mais regardez en description de la vidéo, tous les liens sont mentionnés. Donc, ici. Donc, il va me falloir une image de CloneZilla. OK? Donc, clé USB de réemploi, fichier utile, voilà, CloneZilla. CloneZilla architecture 32, architecture 64. Vous pouvez jouer du drag and drop, donc glisser-déposer, mais par exemple sur XFCE, ça peut poser problème. Donc le mieux à faire, je vais essayer. Ah ben il a pris. Si ça ne fonctionne pas, vous faites clic droit, copier, vous vous mettez donc dans où je me suis positionné avec ma souris, clic droit, coller ou CTRLV. OK? Donc on élève les droits. Mot de passe. Je valide par entrée ou enter. Regardez. Slash bot, slash FI. On peut voir CloneZilla. Architecture 64, l'image ISO qui vient d'apparaître. Je vais quand même vous montrer où se trouve l'ensemble des fichiers. Alors, sur Mubuntu, sur ce Forge, vous allez trouver les fichiers que j'appelle utiles. Donc, vous allez trouver CloneZilla, vous allez trouver donc CloneZilla, architecture 32 et 64. Vous allez trouver les deux scripts. Oui, on va avoir besoin de deux scripts. OK, donc clone sh par ttsh. Vous allez trouver le petit fichier txt. OK, en français, 32 bits, 64 bits. En anglais, 32 bits, 64 bits. Pourquoi 32 bits? Pourquoi 64 bits? Pourquoi anglais? Pourquoi français? Ben, vous avez compris. Si j'utilise le fichier français, eh bien, vous allez voir que la clé, ben, elle va vous parler français. Si vous utilisez le fichier anglais, ben, ça ira, mais la clé va vous parler anglais. Pourquoi 32 bits? Pourquoi 64 bits? Là, j'utilise CloneZilla Architecture 64. Eh bien, je vais utiliser le fichier donc FR 64. Celui-ci. OK? Les clones, regardez, tous les clones sont ici. Alors, vous allez retrouver des clones. Des Mubuntu DE3, 32 bits. 64 bits, 64 bits EFI. Pour la Belgique, vous allez trouver des clones de Debian Facile. 32 bits, 64 bits, 64 bits EFI. Vous allez trouver également des clones Mubuntu DE3. 32 bits, 64 bits, 64 bits EFI. Vous allez trouver la même chose avec le pendant FC. Voyez là, FC, Free Culture, Culture Libre. Ce sont des clones plus conséquents. Regardez la taille. Pourquoi plus conséquent? Parce que dedans, eh bien, il y a les données de Culture Libre. C'est quoi? J'en ai déjà parlé, je pense, hein. Je vais vous montrer un lien. Il faut que je le retrouve.
Voilà. Ce sont des clones qui intègrent, donc des données libres, notamment des livres au format e-pub. Ce sont des clones qui intègrent en plus des livres au format e-pub de la musique. Ce sont des clones en plus des livres au format e-pub, en plus de la musique, qui vont intégrer une encyclopédie libre pour les enfants qui se nomme Wikidia. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir utiliser cette distribution, donc GNU Linux et Ubuntu, mais sans Internet. Voilà. Donc, maintenant que vous avez vu, moi je dispose déjà de tout cela. C'est fini? C'est fini. Alors, donc, revenons à nos moutons. Donc, on a placé l'image ISO de CloneZilla sur la partition FAT32. Nous allons maintenant apporter une modification ongrub, modification qui va ajouter une entrée dans le menu grub qui va nous permettre, eh bien, de pointer vers le script. Et le script, après, il fait son boulot. Donc, menu, réglage grub, grub.cfg, c'est notre éditeur de texte Jenny qui se lance. OK. Et alors là, je vais vous montrer où aller placer votre nouvelle entrée. Nouvelle entrée qui se trouve où? Je vous l'ai dit, je parle français. Je veux que ma clé USB parle français. Donc ce sera le petit fichier texte en français déjà. J'ai utilisé CloneZilla Architecture 64. Donc ce sera le fichier TXT en 64. Donc, fr modif grub multisystème 64. J'ouvre. Tout sélectionné. Je copie. Donc, je me rends dans Jenny. Et regardez bien, c'est pas compliqué, vous allez voir. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais me repositionner au-dessus, voilà. Je descends. Je descends. Voilà. Vous voyez ici. Multisystème début. Ici. Et là, nous avons multisystème fin. Donc, multisystème menu début, multisystème menu fin. Au bout de cette ligne, vous validez par entrée ou enter. Ça crée une ligne vide. OK. Qu'est-ce que vous faites? Soit CTRLV ou clic droit et vous collez. OK. Vous collez. Ensuite, vous fermez donc le fichier CFG ouvert par Jenny grâce à multisystème. Maintenant, je vais quand même préciser. Je rouvre mon fichier. Le plus simple, je vous l'ai dit, vous sélectionnez tout, vous copiez. Maintenant, en théorie, je n'aurais pu prendre que ceci, hein. OK, mais j'ai pris l'entièreté. Vous pouvez prendre l'entièreté. Ensuite, il me dit le fichier grub.cfg n'est pas enregistré. Voulez-vous l'enregistrer? Oui, j'enregistre. Je ferme multisystème. Il me dit oui, OK, mais moi, je veux bien me fermer, mais je dois apporter les modifications nécessaires. Donc, donne-moi ton mot de passe pour élever les privilèges. Je valide pour entrer au Enter. On patiente. Il fait sa petite popote. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusque maintenant? Donc, on a créé une partition FAT32 de 4500 mégas avec le reste de ce qui était disponible sur la clé, on a créé une partition EXT4. Attention, partition EXT4 que l'on a nommée en majuscule image avec S. Ensuite,
qu'est-ce que l'on a fait? On a placé sur cette partition FAT32 l'image ISO de CloneZilla. Ensuite, qu'est-ce que l'on a fait? On a édité donc le menu grep. On l'a édité pourquoi? Pour y ajouter une nouvelle entrée qui va pointer vers quoi? Vers notre ou nos scripts. Et là, vous dites, oui, mais ils sont où nos scripts? Eh bien voilà, maintenant, on va s'occuper de quoi? On va s'occuper de la deuxième partition XT4 qui, elle, va contenir, eh bien, nos deux scripts et, le plus important, notre ou nos clones. Donc, je monte la partition image, mais qui est vide. Hein. Voilà, on fait comme ça. Je vais ouvrir un autre gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc, fichier utile. Sur cette partition XT4, on a dit qu'on y plaçait les deux scripts. Clone SH et partied SH. Donc, je sélectionne mes deux scripts. Clic droit, copier. Clic droit. Oh, je ne peux pas coller. Ah oui, je ne peux rien coller. Non, pourquoi? Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez devoir lancer une instance terminale et ouvrir votre gestionnaire de fichiers avec les privilèges. Donc, sudo nemo, pour moi c'est nemo sous mint, mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà, donc c'est pas dur, je vais chercher mes deux scripts. Donc on a dit clone sh et parted sh, clic droit, copier. Je me rends sur la seconde partition, donc la partition XT4 que l'on a nommée image. Je colle mes deux scripts. Attention, important, on doit rendre les scripts exécutables. Donc, clic droit, propriété, permission, autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Et on fait ça pour les deux scripts. Clic droit, propriété, permission, autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Voilà. La dernière chose à faire, c'est de placer un clone ou deux ou trois, les clones que vous voudrez, selon la place que vous avez et selon les clones que vous voulez utiliser pour leur conditionnement. Ok. Donc, je reviens en arrière. Clic de réemploi. J'ai clone, donc des biens faciles. Et j'ai des clones Mubuntu. Clones qui sont, ce sont des archives. Vous ne pouvez pas placer l'archive comme ça. Vous voyez, ce sont des archives .tar. Vous ne pouvez pas dire, ben moi je vais copier-coller l'archive. Non, vous allez devoir décompresser. Ok? Donc, je vais utiliser, allez, un clone. 32 bits, je ne fais pas. Personnellement, j'ai pas besoin, je vais pas reconditionner les machines 32 bits. Donc, je vais utiliser le 64 bits Debian facile. Donc, clic droit, extraire ici. Et je vais également utiliser donc le clone Debian facile 64 bits UEFI parce que je pense que parfois je vais reconditionner des machines avec en UEFI. Donc, clic droit, extraire ici. Je reviens en arrière. Clone Mubuntu DE3. Alors ici, je vais pas utiliser les clones avec les données libres. Parce qu'ils sont plus conséquents. Mais par contre, je vais utiliser même chose. Hein. Donc, un clone 64 bits. Voilà, Mubuntu DE3, clic droit, extraire ici, et un clone 64 bits UEFI, clic droit, extraire ici. Voilà, alors maintenant on va faire un peu le ménage parce que c'est bien beau tout ça. Voilà.
on patiente. En attendant que l'extraction des deux archives concernant Mabutu 2.3 s'achève, petite précision, je n'ai pas fermé multisystème, mais j'ai fini avec. J'ai fini. Donc, je pourrais le fermer. Voilà. Multisystème n'est utilisé que pour installer Grub 2, placer l'image ISO de Clonezilla et apporter la modification dans le menu Grub. Ok. Après, on n'a plus besoin de multisystème concernant la deuxième partition. La partition, donc ça c'est multisystème travaille beaucoup pour la partition, donc la première partition FAT32. Concernant la deuxième partition XT4, voilà, on n'a plus besoin de multisystème. Ok. Alors, vous pourriez très bien faire tout en même temps. Ok. Vous pourriez très bien déposer Clonezilla sur la partition FAT32 et en même temps coller vos clones sur la deuxième partition. Mais attention. Plus il y a des mouvements sur la clé USB, plus c'est lent à faire. C'est pour ça que j'ai fait d'abord une chose, puis que je vais faire la deuxième chose ensuite. Alors attention, petite précision, dans la documentation écrite, l'explication, la démonstration de la création de la clé est faite contraire à ce que je viens de vous montrer. Ça n'a pas d'importance. Dans la documentation, donc ici, est expliqué en premier donc comment donc déposer ses clones sur la partition XT4 et puis seulement en deuxième position est expliqué comment donc s'occuper de la partition FAT32 donc avec multisystème, l'image ISO de Clonezilla et la modification du menu Grub. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Moi j'ai décidé de procéder de la sorte, mais dans la documentation écrite, voilà. La même chose est montrée, mais à l'envers, dans l'autre sens. Okay? Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez désarchivé vos clones, okay, eh bien, vous prenez tous vos clones. Les deux clones de Debian Facile pèsent 4,4 Go, donc 2,2 chacun. Donc, vous faites clic droit, copier. Partition EXT4, donc image, vous collez. Voilà. Et, même chose avec, vous mettez autant de clones que vous pouvez en mettre, que vous savez en mettre, et vous mettez les clones dont vous avez besoin. Donc ici, je vais prendre les clones et Mabuntu. Ici, ils sont plus conséquents. 9,1 giga, donc 4,5, 4,6 chacun. Même chose. Je copie. Partition XT4, la deuxième, nommée image. Et je colle. Je vais attendre que le premier collage soit fini. Et alors, comment ça va se passer? Vous l'avez vu dans la première vidéo. C'est ça qui est génial. La détection va se faire automatiquement. Si vous décidez d'installer un système... Si vous décidez de procéder à une installation de type Legacy, ne seront listés que les clones compatibles avec une installation de type Legacy. Donc seront listés là, en l'occurrence, donc le clone Debian Facile Architecture 64 et le clone Mabuntu 2.3 Architecture 64. Si je décide de procéder à une installation de type UEFI, ne seront listés que les deux clones 64 bits, donc celui de Debian Facile et celui de Mabuntu 2.3, architecture 64, UEFI. Voilà. Autour des clones Mabuntu 2.3, je colle. Et c'est parti. On va patienter que ce soit fini avec les clones des Mabuntu 2.3 et ensuite notre clé sera terminée. Je vais juste vous montrer, parce que ça c'est une question qui a déjà été posée. Ok, mais ensuite si je veux apporter des modifications à ma clé, dites-vous que votre clé elle est créée. Donc si vous décidez d'utiliser d'autres clones, il ne va pas falloir refaire toute la procédure que l'on a fait.
Votre clé, elle est créée. Donc, ça veut dire que si vous voulez par la suite modifier votre clé, eh bien, vous insérez votre clé, vous montez la partition image, okay, vous supprimez les clones que vous voulez supprimer et vous collez de nouveaux clones. Tout simplement. On va le faire après ensemble. Voilà notre clé USB de réemploi pour le reconditionnement est terminée. Alors, vous en doutez bien, les deux scripts, c'est eux qui vont faire le boulot. Partid.sh ben, va s'occuper du partitionnement et clone.sh eh bien, va s'occuper du clonage. Alors, un type de partition sera appliqué selon que vous procédez d'une installation de type legacy ou une installation donc de type UEFI, ce qui est normal. Si vous procédez d'une installation de type legacy, le script va s'occuper du partitionnement du partitionnement d'une telle sorte. De quelle sorte? Eh bien, simplement deux partitions. Une partition swap qui sera d'une quantité double que celle de la RAM et une partition en mode étendu dans laquelle sera créée une partition donc de type ext4 avec l'entièreté de l'espace disponible sur le disque. Maintenant, si vous procédez à une installation de type UEFI, le script va partitionner le disque autrement. Une partition FAT32, une deuxième partition swap, même chose. Quantité de swap, la quantité de swap sera double de la quantité de RAM. Et alors, une troisième partition de type ext4. Voilà. Maintenant, notre clé est terminée. Je peux éjecter donc image. Je peux éjecter multisystème. On peut encore voir qu'il y a encore un peu d'activité sur la clé, mais pourtant les partitions sont bien éjectées. Je devrais pouvoir l'enlever, même si encore un peu d'activité. Sinon, il me l'aurait signalé. Voilà. Vous voulez modifier cette clé? Comme je l'ai dit, pas besoin de reprendre depuis le début. Je réinsère ma clé. Voilà, mes deux partitions sont montées et s'ouvrent. On va faire comme ceci. Donc, comme ceci. Voilà, je rouvre une gestion de fichiers. Voilà mes deux partitions. On va travailler sur quelle partition? La partition image. Ok, mais rappelez-vous, je ne peux rien supprimer, donc ce que vous faites, vous réouvrez votre gestionnaire de fichiers avec les privilèges, vous mettez le mot de passe du seigneur qui va bien, vous ouvrez la partition image et là, ben, je n'ai plus besoin par exemple du clone, je n'ai plus besoin des clones UEFI. Vous sélectionnez les clones UEFI, clic droit, supprimer, voilà. Vous voulez à la place mettre des clones 32 bits, eh bien, vous allez chercher donc les clones 32 bits. Je vais pas le faire, mais voilà. Chercher des clones 32 bits, par exemple celui de Debian Facile. Hein. Je ne l'ai pas désarchivé, mais vous désarchivez donc l'archive. Vous copiez donc le répertoire. Vous allez sur la partition image, clic droit, vous collez. Si un jour on propose des scripts améliorés, ce qui arrivera sûrement, eh bien, qu'est-ce que vous ferez? Vous collerez les nouveaux scripts ici. Vu qu'ils porteront le même nom, on vous demandera si vous voulez bien remplacer les fichiers existants. Sinon, eh bien, vous ferez ceci, vous supprimez, et vous collez les nouveaux scripts. Voilà, c'est comme ça qu'on modifie sa clé. Maintenant, si un jour la clé a de sérieux problèmes, eh bien là, ben, vous recréez donc la clé. Et, ou alors, ben, si vraiment elle a de réels problèmes physiques, je veux dire, ben là, vous utilisez une autre clé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye et à une prochaine. Et allez, hein, on reconditionne à tout va avec cette clé de réemploi. Hein. Allez,
Bye bye.